Bonjour, un joli programme gastronomique aujourd'hui au Salon de l'Agriculture avec le concours des jeunes charcutiers traiteurs. Oui, ils sont une vingtaine, ils ont entre 16 et 21 ans. Ils constituent aujourd'hui un buffet à partir de pièces qu'ils ont élaborées ces deux derniers jours. Parmi ces candidats, une bourguignonne, un franc-comtois. Ils seront jugés par un jury composé de professionnels du métier et de meilleurs ouvriers de France. Oui, on a de la chance parce qu'un meilleur ouvrier de France, on en a un avec nous, Joël Mauvignier. Vous êtes en plus le président du jury. Alors ça consiste en quoi ce concours ? Et ça consiste à élaborer deux produits puisqu'ils ont ça en finale. Et ils ont travaillé deux jours en laboratoire dans une école, dans un CFA. Et aujourd'hui, ils exposent donc la dégustation et la présentation. Quel est l'enjeu pour ces jeunes aujourd'hui de décrocher le titre de meilleur jeune charcutier traiteur ? Alors, meilleur apprenti de France, c'est le titre, c'est le pied à l'étrier pour devenir, comme moi, c'est tout le mal que je leur souhaite, meilleur ouvrier de France. Merci beaucoup. Voilà, avec un suspense qui va durer jusqu'au début d'après-midi. Bien évidemment, nous, on en reparle ce soir dans le journal avec le résultat, les palmarès et puis les réactions des candidats. À ce soir. À ce soir.